La mosquée de Kadjaoum prend corps. Sa transformation est visible ici. Cela réjouit les fidèles. Nous rendons grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces bienfaits. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que si vous n'étiez pas d'habitude fréquent dans cette mosquée, vous allez constater qu'il y a de nouveau. C'est vrai, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas notre force, c'est la volonté de Dieu, c'est la force de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, on pourrait quand même demander à tout le monde de prier en bas parce que depuis un certain temps, c'est en haut que nous prions. Mais aujourd'hui, vous avez constaté que les carreaux évoluent. Et ce qui est plus important pour nous, nous demandons à tous les fidèles quand même de venir toujours en aide parce qu'un franc n'est pas petit, un million aussi n'est pas grand. Nous demandons les bonnes volontés et tous ceux qui ont contribué de près de loin pour qu'on ait à ce niveau, nous demandons à Dieu quand même les bénir et les accorder encore davantage les bienfaits. Et les travaux évoluent très bien ici. C'est les fidèles, c'est les 1 franc, 10 francs, 100 francs, 1000 francs, 200 que les gens donnent au quotidien. Nous n'attendons pas grand chose. Nous ne voulons pas avoir 50 millions, 100 millions avant de commencer le travail de Dieu. Car demain ne nous appartient pas. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est avec la politique des moyens que nous avons que nous évoluons tout doucement. Si c'est un paquet de ciment, nous l'achetons, nous mettons ça et nous évoluons petitement avec les travaux. En suivant le plan initial du projet de la reconstruction de la mosquée. Dans ce joyau, l'imam fait son prêche ce vendredi. Il donne des enseignements sur l'origine des saintes prières. Le voyage.